Ah ça y est, j'ai enlevé le capot. Et bonjour à toutes et à tous, et on est de retour dans Project Zomboid avec un Slan qui manie le chalumeau tel une tronçonneuse. Et ouais, Katox qui manie... Il est noir, t'as plus de capot. Pourquoi tu m'as viré mon capot, quoi? Mais bien, il était abîmé. Capot ouais, manquant, coffre est à 0%, bordel. Tu vois là où il y a le carton, Katox, il aurait fallu virer le carton et mettre à la place carrément un meuble ici, ça aurait été parfait. Mais en fait, le truc c'est que je l'ai un petit peu abîmé en l'enlevant, et comme il était déjà très très abîmé... Bah écoute, vide-le. Ouais, parce que je suis en train de me rendre compte qu'il y a encore plein de choses à faire là-dedans. Moi je peux pas le déplacer tant qu'il est... Bah, au moins la radio est en bon état, c'est toujours ça de prix. Mais là la rouge elle est bien hein, la rouge hein, je l'ai bien réparée hein. Bah écoute, on a les clés, t'as réussi à mettre un siège conducteur. Un peu ouais. Moi, je pose des questions comme ça hein, au hasard mais... Si ça sert à rien et qu'un suffit, arrêtez de ramener des déplantoirs aussi. Il y en a 10 000, ça a pas d'état, ça a pas de résistance. Plus de déplantoirs, merci. En fait, ce qu'il faudrait vraiment, c'est que j'aille lire le livre qui me manque. Vous devriez tous, pour ceux qui savent lire, avoir lu les menuiseries, électricité, cuisine, enfin ceux dont vous avez besoin. Par exemple, s'il y en a qui est cuisinier, il devrait avoir lu cuisine. Oh, j'arrive pas à remettre bien des... Bien sûr, j'ai lu cuisine. Tu me prends pour à barricader la fenêtre. Je suis niveau 3 en cuisine et on n'a aucun livre intéressant pour moi. Ah bah, il faut aller le chercher. Alors, c'est la planche. Les livres, ils ont encore bougé de place. Hein. Oui, ils sont en haut. Ils sont en haut. Il écoute merci, pas. Ouais, voilà. Il est concentré, il écoute pas. Voilà. Voilà, c'est ça. Surtout con, ouais. Ah, j'ai retrouvé le capot, tiens, je le pose par terre. Eh hey, mais sérieux, ça va être une casse devant, une casse comme, automobile. Comme pour illustrer mes propos. En haut de quoi? Mais c'est pourquoi c'est au bout du monde là? Mais oh, parce que c'est à l'étage déjà, et parce que c'est... Oh, mais putain, mais... C'est quoi ces gars qui viennent et qui râlent alors qu'ils font rien à l'intérieur, quoi? Ah, il y a mon bouquin, l'électricité pour les nuls, c'est trop bien. Bah bien sûr qu'il y a ton bouquin, il y a tous les livres. Par contre ton capot tu le laisseras pas traîner en haut sur le sol s'il te plaît. Tu ranges ta chambre. Tu ranges ta chambre. Exactement. Parce que s'il y a des clients qui rentrent, ça fait un petit peu bordélique quand même. Hein. Bah oui, bah on a des clients qui arrivent régulièrement, mais apparemment il y a quelqu'un qui les massacre à coups de hache. Alors... Oui, bon d'accord, mais. C'est pas moi. Bon, moi j'ai lu l'électricité pour les nuls. Mécanique, il me faut le travail des métaux pour les nuls. Ouais, le capot il dégage, non mais c'est quoi ça? Bah le capot tu peux le remettre sur la voiture si tu veux, ça doit pas être trop dur. Non, je sais pas faire ça, moi je le jette par terre, tu te démerdes. D'accord, enfin, oui. Je casse le pont en le jetant par terre, ça suffit hein, attention. Ah, il y a menuiserie intermédiaire, c'est exactement Katox, c'est pareil là, t'aurais pu passer le balai après avoir nettoyé, t'as vu le bordel que t'as laissé? Je te ramène des meubles. Je sais, mais bon, c'est pas une poupougne. Et je rappelle qu'on va tomber malade hein. Je rappelle qu'on va tomber malade si on n'enlève pas tous les cadavres vite fait. Ah bah moi j'arrête pas de vous le dire hein. Bah, ouais, j'en ai enlevé 5 déjà, hein, c'est bon. Moi j'en ai enlevé 5 aussi, j'ai creusé plein de tombes et je suis très très fatigué. Ouais, mais si chacun en enlève 5, on n'aura pas assez, on doit de toute façon en enlever plus. Et en fait je suis mourant parce que personne ne m'a nourri ni donné à boire. Mais le mec, sans déconner quoi. Laisse mourir, c'est pas de notre faute, c'est qu'ils survivront ici. Il est toujours en expédition aussi. Bon là moi j'ai lu bientôt mes 4 livres et je vais enfin pouvoir faire un peu plein de choses et progresser. Bah moi je veux bien qu'on aille chercher des trucs, mais elle est où l'électricité là? Et en fait, il n'y a pas l'électricité pour les nuls ou tu l'as gardé pour toi? Si, voilà je l'ai sur moi là. Attends bouge pas, je vais le remettre dans le carton, hop. Tu seras bien urbain. Mais je l'ai pas lu en fait. Ah bah bravo. Je crois hein. Vous vous rendez compte par rapport à la première partie en 5 épisodes? C'est un peu mieux quand même. Hein. Ouais, on a pris de l'XP. Ouais. Bah déjà, on a envie. Ouais, bah tout simplement, ouais. Pour la plupart, hein. Je crois que quasiment personne n'est mort. Ouais. Bah, ça suffit un peu, hein. Soyez gentils entre vous, les enfants. Katox, t'as lu pêche, piégeage, recherche, agriculture? Non, je suis en train de ramener des rangements pour la maman qui fait la maison. Parce qu'il faut. Alors. J'étais au Ikea pour maman. Vraiment un truc qui serait important prochainement, c'est qu'on mette en place les. Parce que là, tu vois, il pleut. Et ça, si on avait mis des bacs avec des bâches et tout pour récolter l'eau, et ben on récupérerait de l'eau là. Alors, c'est pas grave tant qu'on a l'eau, mais dans quelques jours, on n'aura plus l'eau. Ouais, il va falloir y penser. Il faut partir du principe que nous, Slan, on a absolument aucune idée de ce qui est possible de construire et de ce qu'il faut faire à long terme. Hein, donc...
Bah, faut me dire, mais pour la cuisine, par exemple, il faudrait que tu... L'un des trucs principaux qu'il faudrait que tu ramènes, c'est les condiments. On en a déjà pas mal de condiments. Voilà, mais des condiments différents, parce qu'avec ça, tu rends les plats beaucoup plus gais, et on serait pas tous tout tristes si on bouffait des bons petits plats. Mais qui est triste? Ah, moi, je suis triste, moi. Moi, je suis triste aussi, ouais. Moi, je suis pas triste, moi. Ah oui, c'est normal, tu bouffes bien, toi. Je mange des pommes. Ma gueule. Et voilà, il bouffe des pommes, forcément. On n'est pas tous c'est sur pas la moi même qui enseigne. va. Vous avez qu'à pas vous gaver de chips, les gars. Ouais, bah, moi, je suis obligé de me gager de chips. Je me suis jamais gavé de chips. J'ai mangé une pastèque. Est-ce que je suis toujours obèse, tiens? Ah, je suis toujours obèse. Hop. Moi, est-ce que je suis toujours maigrichon? Non, je vais te prendre la boîte qui moi, est je suis là. En mauvaise forme et très maigre. Et ben voilà. Hein? Ah ben voilà. Bon, qui c'est qui vient avec moi chercher un. Moi, ça aurait été avec plaisir parce que j'en ai un peu marre de cet endroit, mais avant, faut que je finisse de ranger. Non, non, vas-y. Non, mais je veux bien, mais attends, j'arrive, je vais venir avec toi un petit peu parce que. Qui a la clé de la voiture rouge? Moi. Non, pas moi. Par contre, laisse-moi juste le temps de vraiment vider tout ce que j'ai là parce que. J'en peux plus! En fait, moi, ce qu'il faudrait, c'est que j'aille m'entraîner un petit peu à la menuiserie pour pouvoir créer des choses ici. Putain, mais. Ramener beaucoup de planches. Beaucoup, les beaucoup mecs, ils lisent des bouquins, ils les jettent au sol. Non, mais j'y crois pas. Parce que je ne peux pas le remettre dedans, tu mets trop d'objets dans les trucs. Bah, je mets trop d'objets, mais il y a des bouquins! C'est pas vrai, il y a carrément la place de remettre dans le truc, Slan. J'ai pu les remettre, moi, les livres. Parce que toi aussi, t'as pré-organisé? J'ai pré-organisé, moi? Alors, est-ce que j'ai ah, c'est vrai que si t'es organisé, tu ranges plus facilement. Mais donc, quelqu'un qui n'est pas organisé. Mais moi, j'ai. Mais toi, t'as pu mettre le livre, mais moi, j'ai ah, pas oui. pu mettre le suivant. J'ai organisé, bah, voilà. Effectivement. Ah, bah voilà, Il faut penser bon, à ceux qui ne l'ont pas. Vous savez ce que je vais commencer vous à faire du rangement, là. Non, mais surtout, je suis en train de faire une chose, c'est pour limiter la place là-dedans. Je vais mettre qu'un seul bouquin en une seule version, hein, et puis au moins, on va gagner de la place. Ah, oui, bah ça, c'est une très bonne idée. Voilà. Et tout le reste, je vais aller les jeter dans la forêt. Pour pas que quelqu'un me les ramène encore, quoi. Ah, tiens, j'ai trouvé des bouquins là-dedans. Je t'ai mis un capot, mais je te conseille de prendre la rouge, hein, plutôt. Ouais, mais la rouge, j'ai pas la clé. Mais t'es sûr qu'elle est pas sur le. Bah, écoute, entre... t'inquiète pas, il y a 2 secondes. Le signe entre nous, moi, je te conseille surtout de prendre une bagnole qu'il a pas touchée, hein. Non, mais celle-là, je l'ai réparée. Elle allume, elle explose. Ah, bah, écoute, parfait, hein, mais on a pas les clés, c'était bien utile. Bon, bah, maman, t'iras voir la cuisine, tu seras content. Qui a les clés de la voiture rouge? Moi j'ai plus aucune clé, je les ai toutes. Ah, peut-être c'est moi. J'ai plus aucune clé. Ah, attends. Attends. Peut-être que la clé là qui est dans mon inventaire, c'est une clé. Attendez, j'arrive. Je te pose plein de trucs au sol. Tu la poses pas sous la voiture, la clé, Damned. Pose-la loin là, là où ah, je non. suis. Ah non, non, je vais la mettre direct si c'est celle-là. Ouais, c'est celle-là. Donc, je la mets sur le contact et je sors. Voilà. Attends, il l'a repris ce con? Non, elle est là. C'est lequel le con? Les deux. Ah, on peut pas démarrer quand on est en marche arrière, c'est balos. Alors, Slan, quand tu veux, on va chercher un four. Puis tu pourras, okay. Je pourrai te faire des petits plats. Alors, je suis pas encore très fort en électricité, en fait j'ai 0, mais bon, moi aussi j'ai 0, mais j'ai lu le livre, donc à 2, on se démerde. Non, j'ai 1, j'ai 1. Je vais venir avec vous parce que je vais devenir fou dans ce truc là. Bah, j'ai laissé plein de trucs à ranger. Non, mais non! Non, mais j'en ai marre là! Allez, viens, viens faire une petite balade. Cet enfoiré, il les dépose partout. Tu veux conduire, Damien? J'ai mis trois rangements exprès juste devant. Non, mais c'est Slan, hein, c'est un gros bordélique. Hein. Il dépose y a une place tout sur le du sol, mort, genre si comme veux. Un vieux sale. Dégueulasse. Ouais, bah, bon courage. Hein. Parce que j'ai ramené plein de trucs utiles aussi en même temps. Ah putain, j'en pouvais plus de cet endroit. Attends, mon mec qui s'ennuie, il est triste. Peut-être qu'on va arriver à faire quelque chose avec vous, quoi. Ah, j'ai pas mangé, j'ai pas bu, mais c'est pas grave, j'imagine. Bah, si tu veux manger et boire, c'est maintenant. Hein. Non, vas-y. On va être dans des maisons là de toute façon, hein, donc. Alors, où est-ce qu'on va? On trouve un truc résidentiel? Tout droit, première route à droite et première. Putain, ça fait bizarre d'être dans une voiture, j'avais plus l'habitude. Si tu te rappelles, ça fait 3 épisodes qui rangent. Ouais. Donc, ah ouais, non, mais c'est ça, et ça fait 3. Ça, j'ai passé 3 épisodes à ranger. Hein. Bah, et pourtant, on peut pas dire que ce soit. Ouais, alors toi, hein. Alors, là, il y a beaucoup de monde là. Ouais, mais il y en a partout des zombies, en plus c'est la nuit donc. Va dans la maison du coin. Il est précisément 23h30. En haut. Je sais pas si vous avez trouvé des réveils ou des montres, mais. Est-ce qu'on a des feux sur cette voiture? Putain, on a des feux, c'est moderne. Derrière, hein. En haut à droite. C'est pas grave.
Putain, il y a des arbres là. C'est pas là que tu m'as dit d'aller ? Non, c'est peut-être très bien, c'est très bien. Mais là, on va dans le centre-ville, on aura un petit peu plus de zombies, ça va être bien. Bah là, il y a une maison là. Avec un seul zombie. Oui, oui, un seul. Quasiment certain. Il y en a plein en fait. Arrête de mentir, Damned, il y en a qu'un, il a dit. Putain, mais je suis tombé par terre, je me fais bouffer. Bordel. Damned, recule. Ouais, mais je pense qu'on aurait dû couper le contact parce que là, aïe. Ok, je vais aller couper le contact. Est-ce que vous avez laissé les clés sur la bagnole? Oui, bah oui, s'il y a le contact. Oui, elles sont laissées sur la voiture. Ouais, elle est morte la bagnole à mon avis. Hein. Damned. Ouais, je suis là. Tu veux prendre le pack là? J'ai fait un petit pack. Tu veux que je prenne la bagnole? Non, le pack. Le pack de zombies. Aïe. Ouais, attends, non. Attends, y'a Sven qui arrive avec la voiture. On peut monter dedans, c'est bon? Attends, je prends non, le siège. Je coupe le moteur et je descends. Ah bon? Ah bon? D'accord, ok, très bien. Je pensais qu'on pouvait se replier avec la voiture, mais. Oh, y'a du monde quand même. On est bien là. J'ai laissé la clé là, ici. Vous la voyez là où je suis? Par terre aussi. Okay, très bien. Voilà. Allez, on va dans une maison. Y'a du monde, hein? Là, ça fera l'affaire. Hop. Je suis sûr que j'aurais dû rester à faire du rangement, bordel. Alors, ici, un four. Démonté, four moderne. Alors, il faut chalumeau à propane, je l'ai pas pris. Ah putain. Alors, il faut un micro-ondes, ça serait bien déjà pour commencer. Éteins-toi, télé. Hop. Ça fera déjà un peu moins de bruit. Je vais dans la maison d'à côté. Ok, zombie. Pas de micro-ondes. Je sors, suivante. J'ai un parapluie si ça peut. Oui, c'est vrai que je vais tomber malade, moi en plus, encore. Je suis dans la troisième maison, c'est-à-dire j'ai traversé la route. Donc, comment on fait pour remettre un cadavre dans une tombe? Il faut que t'aies la pelle dans ton inventaire. Ouais, la pelle, j'ai dans mon inventaire. Et tu portes le cadavre. Ouais, et après, je fais quoi? Remplir la tombe? Enterrer un corps? Non, tu fais. Voilà. T'as enterré un corps 0 sur 5, 1 sur 5 et tout. Tu peux en mettre 5 par tombe. Oh, bah, je fais enterrer un corps. Est-ce que vous avez trouvé une pièce avec un micro-ondes? Oh putain! Qu'est-ce qu'il a arrivé? Vache, c'était assez drôle bah, ça. Fallait être là pour le voir, mais l'assaut qu'on vient de se prendre, c'est bon quoi. Bah ça va là maintenant, c'est assez safe. Ouais. Bah. Damned il était contre une fenêtre et là d'un coup il y a genre 20 zombies qui lui sont tombés dessus. Non mais c'était safe hein. Alors un micro-ondes ça ressemble à quoi? Merde, c'est un zombie ça. Là y'en a pas non plus. Chaussures, une clé, bon on va la prendre au cas où. Un ouvre-boîte, non j'ai un four là encore mais. Y'a toujours pas de micro-ondes? Dans les petites maisons peut-être les micro-ondes plus facilement. Ouais pour l'instant. Moi je suis dans une petite maison et y'en a pas là. Électricité pour les nuls, calepin vide, bon bah je sors. C'est pas de bol hein. Bah faut revenir avec le chalumeau. Ah j'ai un micro-ondes. J'ai trouvé un petit frigo mais je sais pas si ça se démonte ça. Et il faut le chalumeau pour le micro-ondes aussi, bon bah c'est pareil. Bon bah on retourne à la voiture si on peut. Ouais bah ouais. Attendez je regarde dans mon sac si ça s'ouvre, j'ai un chalumeau. Ouais j'ai un chalumeau. Putain mais hé mais... Mais t'es sûr que t'es un survivant non? Bah oui. Hop là. Pourquoi vous avez laissé autant de zombies dans ce baraque? C'est pas bien ça. On fait ce qu'on peut hein. Alors... Ouais. Vous êtes où? Vous avez repris la voiture? Mais non, j'ai pas repris la voiture, bien sûr que non. Je suis enfermé dans une maison moi. Moi je retourne vers la voiture là. Vous êtes ensemble? Non. Absolument pas. Bah non, on s'est séparé pour fouiller la maison, les maisons. Ça roule. Tiens, là, il y a une camionnette de police, là. Excellent. Elle a l'air bien, en plus, hein. Il n'y a pas la clé dans la boîte à gants, malheureusement. Allez, hop. Hop, là, il y a du monde. Hein. Est-ce que je nettoie ou est-ce que je m'occupe du four? Occupe-toi du four. D'accord, donc tu me couvres. Je peux m'arrêter dans la cuisine. Bah, safe, nickel. Dès que je te retrouve... T'es parti dans quelle maison? Au-dessus de la camionnette? Il est devant la camionnette. Ouais, je te vois. Vas-y, je te suis. Là, il y a beaucoup de monde. Je vous suis. Je suis derrière vous. Putain, attention, Bascon, parce que tu cours trois fois plus vite que moi. T'aurais pu en prendre une où il y avait une porte tant qu'à faire. Ah, bah, je sais pas, comme tu veux.
Ouais, c'est vrai que ça aurait été mieux quand même. Je vais les tenir à distance, hein, mais. Voilà, c'est bien aussi de se regrouper en coop et de taper. Ouais, enfin là, ils sont nombreux quand même. Hein. Ouais, mais ça devrait le faire. Ça commence à aller mieux là. Allez, je vais dans la maison. Je prends le chalumeau à la main. Je ferme la porte. Merci de me couvrir. Je vais rater hein, les premières fois. Hein. Je te couvre, vas-y. C'est bon, normalement. Je couvre là. La fenêtre et la porte. Alors, je couvre la porte d'entrée. J'ai eu une petite musique. J'ai gagné un niveau en précision. Parfait. Change de réussite, je crois que ça doit être 0%. Hein. Quand on gagne un niveau en entretien, ça veut dire qu'on abîme moins vite les trucs. Ouais. On va le prendre. Alors, il y a des zombies qui s'accumulent devant la porte, mais pour l'instant ils veulent pas rentrer, donc ça va. La fenêtre est cassée. Hein, non, attention, ils vont te voir, Dame Ned. Reste derrière. Non, ça y est, ils tapent sur la porte maintenant. Parce que Stan et moi, on est discret, donc. Ah bah là, j'ai cassé la. On passe à une maison d'après, du coup. Bah ouais. Le micro-ondes, je crois qu'il est beaucoup plus facile. Faudrait retrouver la maison où il y a le micro-ondes. Bah moi, j'en ai pas trouvé de maison avec des micro-ondes, donc. Ouais, je me souviens plus trop où c'est. Moi j'en ai pas trouvé hein. C'était pas celle-là mais bon. Peut-être en face hein, sinon on peut faire d'autres maisons. Hein. Ah j'ai voulu utiliser mon couteau mais je l'avais bien entendu plus. Et le signe nord il me ferme la porte à la gueule quoi. Ah désolé Dame Ned. C'est pas grave. Pris la fenêtre. non mais t'inquiète. J'étais tranquille dehors. Je me suis fait expulser. La politesse élémentaire, tu claques la porte à la gueule des gens. Il y a des zombies qui arrivent de dehors. Tout à fait. Allez, c'est logique. Parti. Alors démonter réfrigérateur rouge. Le conteneur n'est pas vide, ça démonté, travail des métaux. Tu couvres la fenêtre, je couvre la porte, Dame Ned, dans l'inverse. J'ai 10% je vais couvrir là. Je couvre la fenêtre. 10% de chance de réussir. Putain, ça fait pas lourd. Hein. Oui. Ouais, mais en même temps, si on en fait 10, et même en moyenne 5. Hein. Il en est où mon couteau? Oh, ça va. C'est vrai que j'ai pas regardé l'état de la batte. Par contre, je monte pas mal en travail des métaux, hein, donc. Je crois que tu l'as raté là, non? Oui, bah oui. Ok, videz le frigo et puis on y va. Vous avez regardé dans la bibliothèque? Cuisine niveau frigo, intermédiaire, ça peut m'intéresser ça. Ah, cuisine intermédiaire, oui, ça peut m'intéresser. Hein. Où est la bibliothèque? Elle est là. Là. Hop. Allez, on y va. Ça y est, mon mec commence enfin à être un petit peu soucieux, dis donc. L'autre il est pas stress hein. Moi j'ai un peu faim tiens, très faim même. Bon c'est pas grave. Il y a un zombie là, je le vois pas mais il y en a un. Attention, Damned il y a un zombie. Ouais je l'ai vu, c'est bon. C'est bon, ouais. Engineer Magazine volume 2. Ah ça me plaît ça. Ouais je l'ai pris. Y'a pas un truc à bouffer là-dedans? Putain, le frigo il est vide, merde. J'ai, si tu veux, j'ai. Attends, je te pose une ice cream dans le frigo. Et regarde le congélateur aussi. Ouais, y'avait rien dans le congélateur, merci. Bah, s'il est vide, je vais essayer de le démonter alors, ça va me faire XP. Ouais, attends, je prends juste. Ah, attendez! Dedans. Qu'est-ce qui se passe? Crie pas comme ça. Ouais. Non, je l'ai cassé aussi. Quand Slan est surpris, c'est. ça part mal. Métal inutilisable. Ah oui, c'est ballot. Allez, on y va ailleurs. Que quitte à m'entraîner, autant m'entraîner sur des. Et bon, j'ai réussi à ouvrir la porte. Il y a un chien sur l'autre côté, de l'autre côté. D'autre côté, alors attends, par là. Putain, mais tu vas tellement vite, Slan, arrête quoi. Je t'ai perdu de vue en 2 secondes. Moi. Ah, mais moi c'est pareil, hein. Je le perds tout le temps. Et de vue. Là. Tiens, j'ai re-eu un niveau. Bon, j'imagine que t'es dans cette maison qui est là. Ah oui, t'es là. Attention! Ça tape à la porte hein. Tu veux que j'enlève le verre ou ça le fait? C'est fait. Putain, c'est fait. Ça grouille de zombies dedans par contre. Moi je suis passé par la salle de bain. N'ouvre pas la porte. Si c'est bon, regarde. Ok, je démonte. Attention, je me fais attaquer. Ah, je vais mourir, score.
Reste calme, petite padawan. Voilà, il y en a deux par là. On va fermer les portes. Il faut que je mange. Ah, j'ai bouffé la glace, hein. Non, non, mais il y aura... on va faire plein de frigos, vous inquiétez pas. On va en trouver. Alors, est-ce que je vais l'avoir, celui-là? Ouais, rien de fifou, là. Il faut que j'en essaye 10 pour gagner un niveau, et après, ça sera 20% de chance, donc... Je crois que je l'ai cassé. Et là-dedans, il y a quoi? Ah, il y a plein de trucs. Attends, je ramasse les fruits dans le frigo. Bah, je mange la crème glacée. Vas-y. Alors, en continuant comme ça, on va... Ah, les charnières! Faut toujours les récupérer, les charnières de porte, hein. Au sol. Ah oui, c'est vrai. Charnières et poignées de porte. Et les planches, on va en avoir besoin, justement, aussi, si vous pouviez les prendre. Je vais essayer. Pour le moment, c'est bon. Ouais. C'est lourd, des planches, hein. Ouais, ouais, c'est lourd, mais il faut qu'on renforce, qu'on fasse des murs et tout ça. Hein. Attends, je les prends, je les balance dans mon sac de sport. Je suis à la maison suivante, mais il y a des zombies méchants qui m'attaquent, qui veulent me tuer. Ouais, mais attends, je nettoie. Ça va, Victor ? Je suivais déjà, c'est bon, c'est bon. Ouais. Parce que j'ai entendu un crash. Non, non, c'était le couteau. Vous êtes où ? Je vois pas. Maison suivante. Je suis à côté de toi, moi. Je vois Damned. Ah, et Slan, je vois un Slan là-haut. T'as réussi à trouver un endroit pour rentrer ? Ah, bah la porte. Ok. Et un petit frigo de yaourt. Ouais, petit frigo. Ah, y a un chardonnay. Oh, le chardonnay. Poêle, une marmite, parfait ça. Poêle, j'en avais déjà une, marmite, je crois pas, mais c'est pas grave. Encore cassé. Électricité pour les nuls, électronique, magazine. Okay. Écoute, je garde dans mon inventaire un petit chardonnay. Quand il arrivera, on ouvrira ensemble. Hein. Ouais, on va fêter ça. Il y a deux réveils, vous avez l'heure ? Parce qu'il y a deux réveils dans la maison. Conduire, ce con, il tape sur la porte. Bon, ok, barre-toi. Ah, je viens de gagner un point en quoi, moi ? Hein, il y avait des réveils, hein, au cas où. Ah, c'est un point général. Ok, je suis à la maison suivante. Réveil, bah, c'est pas grave. C'est en bas à gauche. Attends, je vais aller te le prendre. Il y a une horde de zombies qui arrive. Ouais, non, mais vas-y, va le couvrir, je vais te le prendre si tu veux, je te le donnerai. Ouais, bah, enfin, couvrir, là, j'ai pas ce qu'il faut. Hein. Ah bon, bah, j'arrive tout de suite alors. À propos de couvrir, si vous trouvez un pile ou un débardeur, je suis preneur. Genre pas sale et ensanglanté. Comment ça a été soufflé ? J'ai une jaquette. Ouais, c'est bien. Très bien. Parce que je disais que c'est chiant d'enterrer les corps quand il pleut dehors. Il y a une éponge. Elle est morte cette maison, elle est blindée de zombies. Je t'ai perdu, Slan, je sais pas où t'es. Dans la maison au-dessous. Je sais pas, la maison au-dessous où j'étais est blindée de zombies donc. Ouais, je sais, j'y suis quand même. D'accord, très bien. Bah, ouais, je le vois. Je l'ai fait courir dehors. En fait, je suis en train de démonter. Attends. Un truc devant les zombies. Fais-les venir vers moi. T'es ah bah c'est bon. En fait, je suis dans la cuisine mais ils me voient pas. Allez, go au sol maintenant. J'essaye un micro-ondes, c'est 13% de chance. Ouais bah je l'ai cassé encore. Hein. Le jour devrait pas tarder à se lever. Derrière toi. Ah là, il m'a entendu là pour le coup. Impeccable. Tiens, attends, je te mets un réveil au sol. Attends, il y a Slan qui est en panique là. Ah merde. Au secours. T'es où? C'est bon. Ça va, c'est limite. On va prendre le petit réveil que je t'ai mis dehors. Bon bah j'ai cassé aussi le... Ah, il y a du sel, des chips par terre. Oh, il y a des chips. Vas-y, le truc, on le déballe, le réveil, voilà, au moins on a l'heure. Bon, c'est pas ouf, alors pour info, j'ai raté à chaque fois, mais j'ai pris la moitié d'un level en travail des métaux, donc... Et pas en électricité du coup. T'as de quoi prendre les planches qui sont au sol là. Alors, et la poignée de porte. Regarde, j'ai de quoi prendre, ouais, pas forcément fifou, mais un petit peu quand même. Le piégeage pour les nuls, la recherche pour les nuls, je pense que ça va intéresser Katox. Ouais. Je crois qu'on les a déjà ceux-là. Ouais, dans le doute. Prends-les quand même au cas où, mais je vais les prendre. Un drap, la javel, non, on s'en fout. Vous êtes ressorti là, non? Ouais, je suis à la maison suivante. Moi, je suis toujours dedans, mais. Je suis à la suivante. Ah, je suis assez lourd, merde. Qu'est-ce que j'ai qui est lourd? Moi aussi, je suis soufflé là. Oh putain, y'a plein de zombies derrière toi. Ah, je peux pas courir en plus, si c'est bon. Moi je suis lourd, ça fait un peu chier par contre. Ah. T'es cassé ta main. Je crois que ouais, j'ai plus de. Alors ça va être encore plus emmerdant ça. Parce que quoi? J'ai plus d'armes. J'ai plus d'armes là tout de suite. Enfin, j'en ai une sur moi, mais. Bon, elle est pas cloutée, mais c'est pas grave.
J'ai pas compris, j'ai pris un niveau en entretien. Bon, ah, pas se plaindre. Là, il y a des zombies. Oh là, il y a plein de zombies, Berk. Vous êtes trop méchants, les zombies. Suivez-moi. Allez, venez. Oh, bah, je me siffle la bouteille de chardonnay, hein. Je suis désolé. Mais non, mais je te comprends, je te comprends. Merde, ouais, comment ça te va? Bordel, là. Pourquoi je suis trop lourd? Le lourd se lève, ça fait du bien. Pourquoi c'est pas dans mon sac, ça? Vous pensez enlever les rideaux? Absolument pas. Ah non, moi non plus. Bah on s'en fout, on a des... Ouais, c'est plus propre, tu me diras, les rideaux, mais... Je peux plus rien porter. Non, non, ça fait des draps, hein, quand vous les enlevez. Ah, ça fait des draps plus... Bah, ouais. Les draps, on a... Y'a personne pour me couvrir, là, parce que je voudrais démonter le fourquet, là. Et t'es où? Dans la maison la maison d'après. Ah oui. Non, mais les draps, n'en prenez plus, on en a d'avance et on en a mis à toutes les fenêtres pour le moment. Ok. Ah, vous pouvez en prendre, mais c'est pas prioritaire, quoi. Là, je prends 4 planches. Ah, je peux plus rien prendre, hein. Moi aussi, je suis blindé à mort là. Ouais, c'est bon. Bah, je prends les 4 planches, les poignées de porte, tout ça. Ouais, je vais juste pour démonter. Non, mais putain, non, non, non. Qu'est-ce qui se passe? Putain, j'ai cliqué pour descendre le drap et ça, le mec il est passé par la fenêtre. Et c'était du verre brisé. Ah. Ok, il faut te soigner vite fait. T'es où? Je suis là. T'es où? Est-ce que quelqu'un là, a des bandages? Je couvre la fenêtre où les zombies rentrent. Je suis toujours dans l'ancienne... Là, je suis là. Tissu déchiré par terre, mets-toi tout de suite un bandage. Ouais, par contre j'ai pas de pince à épiler sur moi. C'est pas grave. Mets-toi un bandage quand même. Ça va juste jamais guérir. Ouais, je sais. Ok, là j'ai des chiffons sales sur moi. Je vais remplir ma bouteille d'eau. Et je vais nettoyer mes chiffons. Fais chier, bon. Putain. Non, non, ça va aller, t'inquiète. C'est pas mortel du tout, hein. Non, non, je sais. Non, mais c'est con comme truc, quoi. C'est con, c'est le truc qui est con, quoi. Ok, ne t'inquiète pas, je vais laver mes chiffons sales, faire une attelle, nettoyer un tissu déchiré, voilà, tout. Je nettoie mes chiffons, tu les prends et tu te changes ton bandage régulièrement. Et va dans la salle de bain, voir, on sait jamais, si jamais il y a... Je vais aller voir, mais là, il n'y en a pas. Il n'y a rien dans la salle de bain. Je crois qu'il y en avait dans une maison précédente. Que voilà, j'ai pas sol, au sol, je viens de déposer 13 tissus déchirés. Il y a des antidouleurs sur un zombie, sinon, mais je suis pas sûr que ça serve non, à des masses. Non, prends pas d'antidouleur. Charge trop lourde, bouteille vide. Ben... Il faut plus que tu sois en charge trop lourde, il faut que tu manges, il faut que tu boives. Je suis désolé, je vais mettre les charnières de porte au sol, les poignées de porte au sol, je vais mettre un parapluie au sol, je vous laisse les prendre si vous avez de la place. Mais enfin, les charnières et les poignées de porte, c'est quand même plus important que ta vie. Hein. Bah, surtout que s'il peut plus les ramener parce qu'il est trop. Parce qu'il est mort quoi. Ah ouais, c'est. Ouais, bon bah d'accord. Ah, moi je suis à 26 sur 26, je peux pas faire mieux là. J'ai une bonne mauvaise nouvelle, je viens de rater le démontage du four, mais j'ai eu des objets utilisables pour une fois. Ça commence à aller mieux. Ça m'apprendra la prochaine fois, je fais clic droit, fermer les rideaux et puis c'est tout. Alors moi je fais tout par clic, dès que ça concerne les fenêtres, je fais tout par clic. Non mais t'as raison, hein. J'ai trop eu confiance là. Le four. Allez, on y croit. Saloperie. Est-ce que tu préfères une jaquette ou un pullover, Tetox? Il faut prendre une padded jaquette. Eh bah, j'ai pas de padded jaquette alors. Bah, je pourrais lui donner la mienne s'il veut. Mais sur les zombies, vous prenez padded jaquette. Ouais, mais il veut pas un truc sale. Non, pas ensemble. Un truc sale, bah, il a qu'à le laver. On peut le laver. Mais j'arrive pas à la laver, c'est le truc. C'est pas la laver? Bah, j'arrive pas. Il faut que t'aies une bouteille d'eau chez toi. Ah, faut la bouteille d'eau, d'accord. Est-ce qu'on prend le barbecue? Ça pourrait être. C'est pas ça. T'as de la place pour un barbecue? Bah je sais pas mais faut déjà que tu réussisses. Bah déjà le truc c'est que il y a une bouteille et de propane dans le barbecue. Comment on fait pour laver un truc du coup? Parce que là j'ai une bouteille d'eau. Là je saurais pas te dire, t'as du savon ou quelque chose comme ça? Ah non. Peut-être qu'il faut du savon alors. Bah je retire le réservoir de propane pour l'instant. Tant pis pour l'instant, je vais le laisser. J'arrive, je t'ai trouvé, je te couvre. Je préfère torse nu que... Moi j'irais bien voir la salle de bain quand même, au cas où. Ah, on peut pas l'enlever? Si, je dois pouvoir l'enlever comme ça. Prendre. Voilà. Et ben voilà, on a un barbecue. Tu vas pouvoir cuisiner. Et t'as suffisamment de poids pour le porter? Non, je suis complet. Je suis à 49 sur 50 là. Y a un four dedans si tu veux essayer. Je suis à 49 sur 50. Et des zombies! Attends, je la porte. Merci. Alors tiens, bah, je peux plus prendre de charnière, plus prendre de porte. Dans mon sac, est-ce que je peux mettre des trucs? Ouais, un petit peu. Oh, on viendra les prendre au pire, hein. Elles vont pas disparaître. Ah bah on a fait le tour, on est revenu à la bagnole là. Et la réponse est si, elles vont disparaître.
Ah bon? Bien sûr. Bah, avec un peu de chance, cool. Il y a les clés quelque part. Une pince à épiler. Bah, vas-y, défaites ton bandage et puis sois rapide. Comment on fait? T'es sûr que t'as des pots de verre, ton... Enlever bandage. Non, mais après, comment on fait pour enlever avec la pince à épiler? Ah bah, tu fais clic droit, mais parfois t'avais pas besoin. Y a pas forcément du verre dedans. Hein. Ah ouais, bah non, alors j'en ai pas. Et tu pouvais pas le savoir tant que t'avais pas la pince à épiler sur toi. Ah ouais, bah alors. C'est un mec, il trifouille l'intérieur de sa blessure pour voir si. Ah, il n'a pas. T'es sûr? Ça saigne un peu. Damnat, tu m'as poussé pendant que j'étais en train de démonter le four. Si ça rate, c'est ta faute. D'accord. Sur la faute de Damnat. Oui, de toute façon. Tu vas voir que ça va réussir. Bon, ça a raté, mais j'ai pris un level en mécanique, ça y est. En travail des métaux. Du coup, c'est quand même ta faute. Bon, de toute façon, on a un barbecue et avec ça, tu peux commencer à cuisiner. Bah, on va dire que c'est bien pour cette fois. Et en plus, on est juste devant la bagnole, donc. Et ça, vous avez essayé? Non, y a pas la clé? Non, on a pas trouvé la clé. Hein? Bah, oui. C'est ouvert en tout cas. Non, c'est ouvert, mais y a pas la clé. Vous avez, bien entendu, comme vous êtes surchargé, vous avez rempli le coffre de la bagnole? Non. Bah, on n'est pas revenu jusqu'à maintenant. Ah, j'ai mis un point en course, qu'est-ce que ça fait du bien! Ah, ça change tout, hein! Eh oui, j'avais un point en course, moi. Bon, bah, vous avez le coffre, du coup, je peux rien faire. Il est ouvert le coffre, je suis en train de mettre des trucs dedans. Il est blindé, il est plein. Il est pas encore plein, je suis en train de charger. Mais pas grave, je me mets à l'arrière. Siège avant droit, siège conducteur, siège arrière droit, voilà. Hop, je mets le barbecue et un réservoir de propane. Voilà, le coffre est plein. Hop. Par contre, n'oublie pas que la c'est clé. Ah oui, non, tu l'avais laissé par terre, je vais la chercher. Voilà. Mais parce qu'on on s'en va là, on fait quoi? Ouais, on rentre. Bah, de toute façon, pour l'instant, c'est pas définitif, puisqu'il faudra du propane pour le faire marcher à chaque fois. Pourquoi je peux pas la mettre la clé sous ma gueule? T'as pas besoin de la mettre. Putain, elle est dans mon sac. Ah bah oui. Hop. Je me demande s'il fallait pas du travail des métaux pour démonter les voitures. Je pense que c'est tout simplement ça. Ouais, c'est travail des métaux pour les voitures, c'est pas mécanique. Ouais, c'est travail des métaux. Par où mais... du coup il faut un point de base. Et d'ailleurs, tu vas me déposer devant la carcasse que je puisse voir si je peux la démonter. Je pars du principe que je n'ai strictement aucun sens de l'orientation en ville. D'accord. Je crois que le spifos c'est pas loin de chez nous. Ouais, c'est en face, c'est par là. Regarde, de toute façon, on suit les cadavres. Hein. Oui, les cadavres que j'ai écrasés. Donc je te dépose là, c'est ça l'idée. Voilà. Puis un jour, je pourrais sortir. Tu peux descendre directement normalement. Si tu fais V, t'as le bouton descendre et ça te sort. Merci. Alors, est-ce que je peux la démonter maintenant? Attends, je vais la ramener. Et voilà, maintenant je peux. C'est ça, il fallait un en mécanique, en travail des métaux. Alors, Katox, qu'est-ce que je peux te donner? Tiens, des jackets. Cool. C'est sur le siège passager, t'as la bouteille de propane. Hein. Ouais, j'ai vu. Mais y a le barbecue, il est où? Dans ma poche. Okay. Il est plus à poil, c'est cool. Regarde, je cours bien maintenant. Je cours plus vite. Vous avez passé votre temps à courir en fait. Bah ouais, je crois, ouais. Où est-ce que je te le mets ton barbecue? Tu m'as monté mon meuble? Bah j'imagine qu'on peut pas le mettre en intérieur. Bah je sais pas, je suis pas sûr. J'ai mis le meuble et j'ai viré tous les zombies qui traînaient. Ah, y'a plein de clous là. C'est bien aussi. Sinon, faut qu'on se trouve un endroit où le mettre. Près des tables de pique-nique par exemple, c'est pas si mal. Près des tables de pique-nique? Ah, y'a un passage là maintenant, c'est bien. Près des tables de pique-nique. Et par contre, il faut virer un des meubles là pour mettre le four quand il arrivera. Ah oui, c'est vrai ça. Près des tables de pique-nique dehors? Bah dehors je pense, enfin sauf si tu peux le mettre dans le barbecue bon. Mais non mais pas de soucis, à côté des tombes. T'as de quoi démonter Katox? Oui, je dois démonter quoi? Bah tu peux démonter celui-là, enfin même s'ils l'ont pas encore, mais pour faire de la place tu pourras démonter celui qui est entre le meuble qui est entre l'évier et le truc des bouteilles. Ça se sera fait. J'arrive. Ça je monte un peu la menuiserie. Oh, y'a du bordel dans les poubelles là. Je vais foutre les clés dans la boîte à gants de la voiture. Tu lequel tu l'as dit? Celui qui est là, celui qui est entre l'évier et le truc des bouteilles, celui qui était devant là. T'as vu le signe? Ouais, celui-là, je le déplace en fait. Attends, je vais celui-là, de couper là. La voiture. Tu veux que je le déplace? Bah, je sais pas si tu peux le déplacer dans ou. La boîte à gants et. Je les peux tenter. Sinon, tu le démontes, c'est pas grave. Je sais pas si tu le détruis. Détruis-le, c'est pas grave. Je signale que j'ai démonté la carcasse de bagnole.
Et du coup, elle est plus, elle est plus là. Ah, c'est bien ça. Ah, non, c'est cool, elle est vraiment plus là du coup. C'est cool ça. Elle est vraiment plus là. Et puis maintenant, je vais essayer d'aller réparer ton capot. Info sur le barbecue. A besoin d'un réservoir de propane. D'accord. Après, si tu veux, tout le comptoir, sauf celui avec les pompes à bière, je peux le démonter. Parce qu'il ne sert à rien. Comment est-ce qu'on met un réservoir de propane? Sauf celui avec les pompes à bière, hein, t'as bien fait de préciser. Ouais, il faut quand même. Faut pas déconner. Ouais, mais c'est 20 le réservoir de propane. Mais putain, il y a un zombie qui s'approche. Quelque chose d'autre? Genre le comptoir du coin, peut-être? Ouais, il sert à rien, ouais. Il me faudrait des planches si vous avez. Bah, je suis en train de les ranger dans le meuble. Elles sont dans le coffre de la voiture, sinon. Faut les mettre devant les fenêtres. Devant les fenêtres? Oui, avec des clous. Ah, c'est peut-être ça qui me manquait, du coup. Insérer un réservoir de propane. Ouais, parfait. Hop. Pareil, tu pourras démonter cette porte aussi, qui sert à rien. Et les deux portes, même, d'ailleurs. T'es sûr? Les portes, c'est super safe. C'est la dernière protection quand on se fait attaquer. Ah ouais? Bah, il y a l'étage, mais l'étage, il n'y a pas de porte, c'est vrai. Non, bah, laisse-les, alors. Ah bah. Au moins celle... Ouais, j'allais dire au moins celle-là, mais ça... Ça sera un bloc de survie si. Ouais, t'as raison. Faut je suis en train de barricader et de mettre des. Comment ça s'appelle? Des planches à toutes les fenêtres, mais ça tout le monde peut le faire hein, si vous avez envie de monter menuiserie. Par contre, ne le faites que si vous avez lu le bouquin de menuiserie. Bah, moi je peux pas. Ah. Non, mais toi tu peux le faire quand même du coup. Hein. Alors, du coup, tu fais comment? Genre, tu prends une planche. Je les mets devant les. Il faut enlever les rideaux. Planche, les un deux, marteau. C'est niveau 2 en menuiserie du coup. Non, t'es pas obligé d'enlever le marteau, mais par contre, ce que tu veux... C'est alors, la menuiserie niveau intermédiaire... Il te faut un marteau, tu dis? Il faut un marteau, des clous, et bah, des planches. Une masse, un marteau... Non, putain, pas... Alors là, moi, je vais poser les charnières de porte... Et les clous, ils sont où, les clous? Les clous, je sais pas, je suis en train de les chercher, là. Justement, j'en ai plus. Ils sont à droite dans la... Ils sont à droite dans un des meubles, je sais plus lequel, hein, je peux pas vous dire, mais... On va en mettre des petits panneaux, tu sais. Il y en a 400, mais on là, peut ici. Pas. Par contre, la personne qui a mis les 400 clous, je vous rappelle qu'on peut faire des boîtes dès qu'il y en a 100. Ouais, mais c'est moi qui les avais sortis parce que ouais. Bon. Alors du coup, c'est moi j'ai qui quelques les... clous, un marteau, faut que j'équipe le marteau peut-être. Ouais, mais t'es pas forcément en tout cas. Voilà. Alors, ah, je suis infecté maintenant. Je suis égratigné, saigne et infecté. Ah. C'est gênant ? Oui. Oui, à l'instant je dirais que oui, moi, mais bon. Oh non, mais je suis pas infecté, genre infecté zombie quoi. Eh ben, déjà, regarde si t'es pas hypochondriaque et. Non, je suis pas. T'es pas hypochondriaque. Donc t'es vraiment infecté. Non, t'es pas infecté zombie, mais il faut que tu désinfectes. Il faut que tu mettes carrément des bandages stérilisés maintenant. Terminé de t'amuser à. Je peux prendre un flacon de désinfectant déjà? Ouais, c'est ce qu'il faut faire et tu fais des bandages stérilisés avec. Je rappelle qu'on peut mettre 4 planches devant et 4 planches derrière. C'est-à-dire à l'extérieur et à l'intérieur. Bah moi, ce que je vais me permettre de vous rappeler, c'est qu'il est temps d'arrêter l'épisode là. Du coup, bah, j'espère qu'il vous aura plu. On arrive mine de rien petit à petit à faire quelque chose. N'hésitez pas à nous laisser des petits commentaires. N'hésitez pas à aller voir le point de vue de Slan. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à mettre des pouces rouges si jamais vous pouvez pas nous voir. Ça fait toujours des réactions. Hein. Et on se dit du coup à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous. Salut. Salut. Salut.